d'avoir mon permis. Bon, déjà, étape cruciale avant de passer le permis, le code de la route. Et même si maintenant pas mal de monde le passe en ligne chez soi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui, réponse A. Moi j'allais m'entraîner à mon auto-école. Et en vrai, fais pas trop le malin la première fois que t'y vas. Je veux dire, assume que t'es nul. Alors, combien de bonnes réponses? 32. Ouais, je peux voir? Ouais. C'est pas ça du tout. Mahalisha. Choclam. Serbe. Mis à part le caractère répétitif, longuet, chiant des questions du code, moi c'était pas ça qui me dérangeait le plus. Non, non, moi c'était des personnes, tu te demandes ce qu'elles font au code. Notamment 5 spécimens. Déjà ce mec tout le temps sur son tel. T'as celui avec ses écouteurs. Pourquoi vous me regardez? Pourquoi tu me regardes? Tu veux écouter? Celui qui parle carrément au téléphone, c'est véridique. Ouais, ouais, maman. Non, mais oui, mais tu sais, moi je t'aime. Y'a pas de souci à avoir là-dessus. Juste quand des fois, quand tu me dis bonjour, je, voilà, t'approches pas trop de moi, tu peux de la gueule. Ouais. Ce mec qui parle des réponses. C'est la B, celle-là. Hein. C'est la D, hein. Je la sens bien là. C'est la A, celle-là. Hein. Ouais. Mais non, c'est la B. Bah non, là c'est la A. Non, mais c'est la B. C'est la B. Et enfin une dernière personne, quand tu t'entraînes au code, t'as deux options. Soit tu le passes en mode pédagogique, donc vraiment pour t'entraîner, c'est-à-dire que t'as les questions puis les réponses qui sont expliquées. Soit tu le passes en mode examen. Et quand tu le passes chez toi, tu sais, t'es tout seul, t'es tranquille, y'a personne qui va venir t'embêter, c'est royal, c'est incroyable. Mais quand t'es 10 devant une télé à l'auto-école, tac. Je peux passer en mode examen si ça vous dérange. En vrai c'est pour le faire rester en pédagogique. Ouais, c'est pour le rester en pédagogique. Merci. Merci. Une fois que tu t'es bien entraîné, tu passes le code. Et pour l'obtenir, tu dois donc faire moins de 5 fautes seulement sur 40 questions. Et avant chaque examen du code, tu retrouves toujours lui. Putain, je suis dans la merde, je fais encore 20 fautes, je l'aurai jamais. Bah pourquoi tu le passes alors? Ah bah on sait jamais, sur un malentendu... Et qui se retrouve à l'avoir, et toi non, alors que tu tapais des 40 réponses juste en entraînement? La chatte qu'il a, la chatte, la chatte! Le code de la route obtenu, tu peux commencer tes leçons de conduite avec les moniteurs. Nous retrouvons Bertrand, 37 ans, moniteur d'auto-école depuis 15 ans. Bon, et là on va faire quoi? Bah là on va faire une petite heure de conduite avec Ronald. Donc voilà, Ronald, t'es prêt? Oui. Voilà, donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe quand on est en session conduite. Et puis on va faire une petite heure, hein Ronald? Ouais. Ça va? Ça va. Allez, venez. Avant chaque départ en route, Bertrand conseille au mieux ses élèves. Ici Ronald. Ainsi, Bertrand ne manque pas de rappeler les vérifications à faire et de recadrer ses élèves au moindre faux pas. Tu touches pas. Tu sais, je vais te la faire simple. Hein. Je suis très sympa, mais faut pas m'énerver. Les pneus déjà, tu... Exigeant et assidu, Bertrand affiche un grand professionnalisme dans l'exercice de son métier. Donc ça, c'est bon. Donc ça... Ça c'est fait. Donc là aujourd'hui on va faire une session conduite. On va surtout essayer de voir juste pour se faire la main, voir comment il conduit un peu. Bon bah voilà, on est parti pour conduire. Allez, c'est parti. Hop là, tu mets la clé, tu mets la une et puis c'est parti. Faut pas s'attacher. Tu mets vite la ceinture et puis on est parti. On est parti, je t'aime bien Ronald. Ouais. C'est avec le sourire et l'envie de bien faire que nos deux compagnons partent sur les pistes. Hésite pas à mettre les gaz. Voilà, là tu mets la troisième. On le fait ensemble si tu veux. Allez, allez, 60, 70, elle remonte. C'est un peu dangereux là ce que vous avez fait. Ça dépend. C'est pour se faire la main, c'est pour volant. Bertrand cherche toujours à mettre en confiance ses élèves. Ils ont un peu de pression, c'est pour les décoincer. Ça le met, vous le mettrez au montage ça ou... Ronald continue. Allez, là à droite s'il te plaît. Non, à gauche. Bertrand allez, est même un peu cocasse. Bon, ça va mon Rooney sinon à part ça dans la vie. Ce moniteur passionné n'hésite pas à prendre des nouvelles de ses élèves. Tu bosses combien de jours par semaine? Ça te dérange pas si je passe un appel? Juste deux secondes. Oui Sylvie, il me faisait tout le temps la bise. Bertrand, dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Alors moi ce qui me plaît, ce transfert de connaissances entre les élèves et le moniteur. Mais t'es malade! La prio à droite! Repars en arrière, je vais te montrer. Si sa pédagogie est discutable, il n'en reste pas moins que Bertrand transmet les bonnes valeurs routières. Si vous... Si... Tu peux... Y a personne. Ce qui est important dans la conduite, enfin, quand il nous énerve, il faut pas répondre par l'énervement. C'est ce qu'il faut... T'arrêtes un peu ta connerie! Je décide, c'est moi qui les pédale. Bertrand est ce qu'il est, mais la vie lui réserve parfois des surprises. Ce qui est cool aussi quand tu passes le permis et que t'es jeune, c'est que tu peux faire la conduite accompagnée. Tu conduis donc pendant un an, deux ans avec tes parents. Et c'est vachement cool. Mais je vais pas trop vite. Après une vingtaine d'heures de conduite, te voilà prêt pour l'étape finale, l'examen du permis de conduire. Et si j'ai un conseil à te donner le jour où tu le passes, c'est d'être hyper concentré. Merci Paul. Hyper pointilleux sur les détails parce qu'à la moindre erreur, il appuiera sur le frein. D'ailleurs ce truc de l'examinateur appuie sur le frein, c'est mort, tu l'as pas, c'est un mythe ou pas? Non parce que moi le jour du permis il a appuyé et je l'ai eu, donc bon je sais pas, peut-être. La chatte, oui peut-être, oui je l'ai. Enfin bref, sois bien précautionneux le jour du permis. Bon, après n'en fais pas des caisses non plus. C'est bon, vous êtes bien attaché? Vous êtes bien dans votre siège? Ok. La ceinture, ouais c'est bon, ok. Je l'ai déjà dit, non? J'y vais. Vous êtes sûr? Ça va? Oui, là c'est bon. Ok. Ah oui, et si jamais tu sais que t'as raté ton permis au bout de 2 minutes, hésite pas à t'arrêter direct hein.
Hop, vous venez de griller un feu rouge là. De quoi? Oui, le feu rouge. Non. Oh putain, le con, merde, je l'avais pas vu. Oh non, je suis dans la merde. La mère, elle va me défoncer. Bon, bah on fait quoi? On arrête? Ah bah là on va arrêter, oui. On repasse la prochaine fois. Allez, on fait ça. Ok, ça marche. Salut, ma couille. Tu fais quoi la semaine pro? Comment ça va ta femme? Non, tout bien? Oh bah tranquille. Oh ça va. Oh, pas de tête, tu fais quoi? Et une fois que t'as ton permis, ce petit truc là, ne juge pas ma tête. Ça y est, tu es libre. Tu peux enfin conduire seul. Tu peux aller où tu veux, quand tu veux. Tu ne dépends plus de personne. Tu peux conduire 4000 km comme ça sur un coup de tête. Si ton compte en banque est suffisamment grand pour pouvoir payer toute cette essence. À part si tu l'as passé à 17 ans et demi et que tu dois encore attendre 6 mois pour pouvoir conduire seul. Oui, ce fut totalement mon cas. Et alors là, t'as l'impression de débuter une nouvelle vie, de découvrir un nouveau monde. Vraiment. Tu t'aperçois de certains trucs que tu voyais peut-être pas avant. Tu vas commencer à t'énerver au volant. Mais qu'au volant. Eh hey, vas-y avance là devant putain. Tu fais chier tout le monde là, regarde. Arrête de freiner là. Quoi? Pourquoi tu me regardes? Pourquoi tu me regardes? Quoi? Tu veux descendre là? Tu veux qu'on stoppe? Tu veux qu'on... Hey, salut mec, ah, mec comment ça va? Putain ça fait plaisir. Qu'est-ce que t'as, un petit thé? Ok vas-y, voilà. Café, vas-y. En vrai, hey, c'était rien ça. De même, désormais, quand tu seras en soirée, ne sois pas étonné de tous les regards de tes potes qui se dirigent vers toi pour que tu les ramènes chez eux en fin de soirée. À leurs yeux, tu ne seras plus qu'une simple carte de permis, un simple chauffeur, et tu t'appelleras Sam. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Et enfin, surtout, quand tu as ton permis, tu as ta première voiture. Le moteur là, hein. Du pur CO2, full écologique, y'a pas mieux sur le marché, mon pote. Voilà, lâche un pouce bleu si cette vidéo t'a plu, laisse un petit commentaire aussi en dessous de la vidéo, racontez-moi vos meilleures anecdotes, les dingueries que vous avez eues en passant votre permis, votre code, je sais pas, la conduite accompagnée, là il y a des conflits, abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la petite cloche, tu connais, et venez tous me suivre sur mon compte Instagram, @paulgz-insta, c'est incroyable ce qui se passe dessus, vraiment je t'attends sur Insta. Voilà, moi je vous laisse, je suis un peu pressé, j'ai un truc qui m'attend. Attends.